un point de vue neutre. Je pense que si les juges ont véritablement bien apprécié toutes ces acrobaties, alors que l'Italien est en train de conclure pratiquement la finale du sol masculin, c'est l'Italien Paolo Bucci. Montée en équilibre, bras écartés. Voilà. Croix renversée, comme aux anneaux, mais c'est quand même plus facile au sol. Oui. Une jolie série, rayé demi en arrière, enchaîné de deux saltos avant. Paolo Bucci qui a à cœur de rattraper un petit peu sa barre parallèle, puisque il est certainement assez déçu de sa deuxième place. Et la vrille salto arrière pour conclure l'exercice, un petit peu basse et légèrement déséquilibrée. Voilà, donc Paolo Bucci a un joli mouvement, il n'inquiétera pas vraisemblablement Steve Gerian ni Fabrice Gelzec. Et ni Mélis Tanidis, pour qui les juges n'ont pas eu beaucoup, beaucoup d'affection, puisqu'il n'obtient même pas 9,30. Ça c'est bon, malgré toutes les acrobaties qu'il nous a délivrées. En revanche, l'Italien Paolo Bucci reste encore en course pour une médaille, mais...